On se retrouve pour un nouvel épisode plein de militaires parasités qui en veulent à notre vie, bien entendu. On a traversé pas mal de choses, hein. Il me semble qu'on avait fait limite tout ça dans l'épisode précédent, je suis pas sûr. Dans tous les cas, maintenant on en est là. Ashley est dans un autre niveau de la base dans laquelle on est en train d'évoluer. Ce petit point de destination là-bas, c'est juste pour descendre des escaliers, j'imagine, ou monter des escaliers, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y aura toute une autre map qu'on nous avait déjà montée dans l'épisode précédent qu'il faudra qu'on se tape. On a eu toujours à l'acte 5, hein, mine de rien, mais toujours au premier chapitre de l'acte 5, c'est un chapitre qui est assez conséquent. Il se passe pas mal de choses. En termes d'histoire, on va pas se mentir, tout ce qu'on fait c'est poursuivre Ashley qui s'est fait kidnapper pour la 35e fois. Hein. Voilà. Les jours ne sont pas les mêmes, mais se ressemblent quand même beaucoup. 5 munitions de fusil, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, on a l'ami marchand, et puis on a un mini-jeu ici, donc on va faire un petit peu de mini-jeu. Histoire de peut-être gagner quelques pesos supplémentaires qui nous permettraient d'améliorer une arme ou peu importe. On a fait tout ça pour 3500 ptas, hein, pas mal de munitions gâchées pour rien. Mais bon. Allez, pourquoi pas. Gilet tactique. Ah, oh, c'est nouveau ça. Ce gilet pare-balles vous protégera et réduit de 30% les blessures subies. C'est bien. C'est bien. Surtout que c'est la première fois qu'on a une amélioration de ce type qui nous est proposée. Donc, clairement, je suis très intéressé à l'idée d'avoir une réduction de 1 tiers de mes dégâts. Mais c'est 60 000. C'est 60 000. Maintenant qu'on a toutes les mallettes, c'est ça qui prend le pas sur le truc Cheros qu'on a envie de choper. Welcome. Je pense pas choper suffisamment en jouant au mini-jeu. Parce qu'il faut que je fasse toute une ligne de... toute une ligne de petites figurines là qu'on débloque en faisant le mini-jeu pour pouvoir gagner de l'argent, mais je vais pas gagner non plus 50 000 quoi. A, B, C, D, je sais plus combien on avait, qu'on va faire D. On est sur le dernier. Allez, c'est parti. Oula. Ok. Il faut bouger maintenant et tout ça, c'est déjà compliqué la vie. Ok. Temps de recharge. Ok. Oh, il a. Voilà. Ça qu'on veut. Ah, oh, j'ai pas eu le Salazar. Malheureusement. On va gagner 3 prix. Ok, rejouons. Ah mince, j'ai fait partie. Partie, on l'a déjà faite plein de fois, donc je pense pas qu'on gagne des nouvelles choses. On va voir. Là. Bah non. Voilà, j'ai tout loupé là. J'ai tout loupé, j'ai rien gagné de plus. Partie C. Je pense qu'on l'a déjà faite, mais on va vérifier quand même. Ok, allez. Ah. Vite. 7 prix. Ça valait le coup. Ça valait clairement le coup.
Oh, le pire. Le pire. Points. Oh, 1000 points. Oh, le pire. J'ai pas eu le bâton de limite en plus, ça va être horrible comme score. C'est tout ça quand même, voilà. Prix pour le moment, je pense qu'il faut en avoir 10 pour une ligne, ça me paraît très normal. Oh là là. Hop. Ensuite, hop. Tout c'est de pas stresser. Hein. Voilà. Ça va peut-être se mettre un peu plus sur le côté quand même. Mille points, ça ne pardonne pas, hein. 1000 points c'est fou quand même, hein. C'est quand même 5 zombies dans la tête. Oh, j'ai loupé le bâton de dynamite, ça ne pardonne pas non plus. Ça pardonne pas. 8, on en a eu un en plus. Donc si on se débrouille bien, de ce côté-là d'ailleurs, pour le bâton de dynamite, ce sera beaucoup mieux. Voilà, un truc derrière. Oh, j'en ai loupé un déjà. C'est plus le même truc, Ted, ça a changé. Points, fait plaisir. Alors, maintenant. Oh. Un truc derrière, tous les coups. Oh, la vache. J'en loupe, hein. J'en loupe, je veux pas tirer sur... sur Ashley. Oh. Juste quand je dis ça, tu sais. 10. Allez, on en a récupéré 10. On arrête avec le mini-jeu. Est-ce que on a récupéré assez pour avoir de l'argent? Vous avez gagné 10 bouchons. Troisième rangée terminée. Succès dévoyé. Qu'est-ce que ça vaut? 35 000. Ah oui, quand même. Quatrième rangée aussi. 50 000. Ah ouais. Ah ouais, ça va en fait. Genre les bouchons, tu vois, on a mis le paquet, quoi. Est-ce qu'on a moyen de voir les... Je sais pas où est-ce qu'on peut voir les... Si, c'est dans... Voilà, c'est là-dedans, examiner. Là, on peut voir les bouchons. Et je pense qu'on les a peut-être tous eus, du coup. Parce qu'on a... Il y a 4 rangées, il y a peut-être une 5e rangée, mais ça commence à faire très haut, quand même, dans le truc. Soldat avec marteau. Isabelle. C'est qui, Isabelle? Maria. 153 Maria dans le truc, tu sais. Gigi. Gigi la Molosso. Le marchand. Ah, on en a eu plein. Hein. Fanatique avec une arbalète. Chef des fanatiques. Don Pedro. Ça s'appelle un Don Pedro, ça? Ça a des lames et tout. C'est horrible. C'est horrible. Fanatique avec une faux. Ah, on en a eu plein. Hein. Les sœurs Bella. On les a pas croisés, les sœurs Bella. Pour le moment. Atavong. Louis, hein, Louis Serra, on s'en souvient. Don Esteban. Ouais, ouais. Docteur Salvador. Ah, c'est le Docteur Salvador. Ça. Qui est là 123 fois aussi. Don Manuel. Bon, bah ça fait plaisir. Ah, mais j'ai trois... Alors, j'ai Ashley. Ashley Graham. Après, on a Léon avec le pistolet, Léon avec le fusil à pompe, Léon avec le lance-roquette. Léon aime prendre la pause, tu vois, c'est genre... c'est Léon.
Bah c'est cool. Je m'attendais pas à ce qu'on se retrouve avec 99 tasses. On a vraiment bien fait. Ah, on a fait ce petit, petit mini-jeu. On va bien sûr acheter le gilet tactique pour avoir un tiers des dégâts qui partent dans le vent. Ça fait plaisir. Est-ce que, tout hasard... je peux prendre des munitions de Magnum à la rigueur. Mais sinon, si j'ai des dégâts, ce sera peut-être mieux. Pour ce coup-là, des dégâts, ce sera peut-être mieux. Le fusil... Le shotgun... Augmenter de 0,5 les dégâts, c'est pas non plus la folle histoire de ma vie. Et là, ça augmente de 2. Ici, les dégâts, on est au max déjà. Mine de rien. Je peux peut-être augmenter mes munitions, par contre. Là, ça double les dégâts. Ah oui. Ah oui, ça double les dégâts, quand même. Pistolet, je peux encore l'améliorer ou pas? Finisher, je peux passer à 1,7. Ouais, 0,2. 0,2, merci beaucoup. Et lui de 2 aussi. Not enough cash, stranger. Allez, c'est vrai. Oui, ça va. Ça va! Ça arrive à tout le monde de se tromper. On va augmenter les dégâts du shotgun. Thank you. Voilà. Donc on prend moins de dégâts et le shotgun fait plus de dégâts, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On n'est pas encore la machine à écrire par contre. Donc on a encore un petit peu de route à faire. Je vois rien. Oh merde. Oh merde. Wouah. Wow. Allez mec. Ah, qui n'ont plus de race. C'est quoi ce bruit? Ok. C'est un truc. Faut qu'il se croit malin. Attends que je fasse ça. Ah, il faut rester derrière le truc en fait, je suis bête. Voilà. Alors, on perd un peu de vie quand même. Ah non, ça va. Peut-être pas le TMP. Enfin, peut-être pas le fusil à pompe, je vais prendre le TMP là. Oh merde! Il a changé le stand de tir là! Oh la vache les mecs. Tout ce qu'on peut faire hein, pour garder des munitions bien sûr. Allez, ouvrons ça à des Jackal. Ça fait plaisir, Jackal. Alors, hop, voilà, ça recharge ici. Ça, on avait utilisé un aussi. Fait de la place. Ici aussi, hop là, allez, ça fait plaisir. Le Magnum, j'achèterai un truc de contenance, je pense. Pour recharger en même temps. Quand j'aurai de nouvelles la thune, hein, parce que maintenant, plus non plus des masses. On est bien. Je suis sur mon fusil. Hein. Je vais te mettre ça. Ah! Une herbe rouge! Ah, ça pour voir. Bah, j'ai plus d'herbe verte parce que je les ai gâchées en faisant une espèce d'herbe verte x3, tu vois, en mode ok, d'accord, super. Très bien. Allez. Ça. Avec ça là. Puis voilà. Ça, on peut pas ouvrir. Non.
Visiblement, non. Musique inquiétante. Je crois qu'on était au niveau de la... On est au niveau de la machine. Hop, ça c'est déverrouillé. Comme ça, si jamais il y a besoin, au moins on est tranquille. Herbe verte. Comme par hasard. Ça tombe vraiment bien. Du coup, si je fais ça, et que je fais ça, hop, ça fait directement le mélange, ça va beaucoup plus vite. Excellent. Et ici, moi on m'a dit... Un truc de fou, ça s'appelle une montre à gousset. Waouh. C'est vraiment dingue. Et c'est tout. C'est ce que je vois. Alors sauvegardons. Sauvegardons et mettons fin avec cette sauvegarde numéro 69. Pas d'allusion, bien entendu, à cet épisode. Des bisous.